Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Konnichiwa. Alors, je vais parler de Noël en France et de Noël au Japon. Ça fait longtemps que je voulais parler parce que il y a 8 ans ou 7 ans, j'ai oublié, mais quand j'étais au lycée, j'ai expérimenté Noël en France. Je suis surprise parce que c'était très différent. Donc, je voulais parler de mes expériences en France et aussi je voulais me présenter Noël au Japon. C'est complètement différent. La première chose que j'ai remarqué Noël en France, c'est que la nourriture, c'est trop bon, mais très gras. Beaucoup de beurre, sucre, et on mange, et on grossit. Et la résolution du nouvel an, c'est manger équilibre. Deuxième chose que j'ai remarqué en France, c'est aussi la nourriture, mais spécifiquement le chocolat. Puisque en France, Noël, c'est chocolat. Il y a des chocolats partout, vous mangez beaucoup de chocolat. Alors qu'au Japon, Noël, chocolat, non. Parce que comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, chocolat c'est réservé pour la Saint-Valentin. Mais attendez, je pense que la prochaine campagne de communication, chocolat, Noël. L'argent, hein? On mange les chocolats toute l'année, c'est pas mal, hein? Bah, en tout cas pour moi, je serai heureuse. Troisième chose que j'ai remarqué, c'est que en France, vous recevez plein de cadeaux Noël. Alors qu'au Japon, on a le droit de recevoir un seul cadeau de nos parents. Pardon, de la part de Père Noël. Et en plus, en France, les parents reçoivent les cadeaux aussi. Mais comment ça? Au Japon, c'est impossible. Vous êtes adulte. C'est vous qui offrir les cadeaux et vous ne recevez pas. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, j'étais choquée quand je suis allée en France et quand j'ai expérimenté Noël en France. Moi, je veux venir en France pendant la fête de Noël et rentrer au Japon pour le nouvel an. J'aime beaucoup Noël en France parce que c'est très bon, la nourriture, et je peux avoir plein de cadeaux, c'est génial. Mais il y a un truc que je ne comprends pas trop. Peut-être que vous pouvez m'expliquer. C'est qui Noël? Je connais pas du tout l'histoire de Noël. Au Japon, on connaît qu'un homme assez gros et qui a le chapeau rouge, alors le costume rouge avec le verbe blond, et il apporte le cadeau. Et il s'appelle Santa Claus. Santa Claus. Saint Claus. Saint Claus. Saint Claude. Et en France, tout d'un coup, c'est Père Noël. Mais c'est qui Noël? C'est une grosse confusion. En plus de ça, c'est pas Saint Noël qui apporte le cadeau, c'est le Père Noël. Papa Noël? C'est le Père de Noël. Mais putain, elle est où la maman? Il y a Noël, Père Noël. Elle est où la maman? Divorcée? Contrairement en France, Noël pour nous, c'est la fête pour les amoureux. Et c'est même pas un jour férié, on va au travail ou alors on va à l'école. Souvent les couples, après le travail, après l'école, ils vont dans un restaurant assez chic, cher, luxueux. Et ils échangent les cadeaux. C'est un peu comme Saint-Valentin. Et comme je vous ai expliqué, quand on est petit au Japon, on peut recevoir les cadeaux de la part de Père Noël, Santa Claus comme on dit. Donc voilà, la seule solution pour avoir le cadeau quand on est adulte, c'est de trouver quelqu'un qui offre le cadeau. Donc c'est un copain ou une copine. C'est pour ça que au moment de Noël, la fête de Noël, tout le monde cherche les copains copines. Donc si vous voulez un copain japonais ou une copine japonaise, vous venez un peu avant de Noël, comme ça sera plus facile je pense. Parce qu'on veut des cadeaux. Ouais. Ce que je déteste au Japon pendant la fête de Noël, c'est qu'on a la tendance d'avoir pitié des gens qui n'ont pas de copains de copines. Les gens sentent la honte si on n'a pas de copains ou copines et qu'on n'a rien à faire pendant le jour de Noël. Mais putain, laisse-moi tranquille, ça me fait chier.
Non, mais en vrai, je profite pendant la fête de Noël parce qu'il y a plein de boulot. Du coup, moi, je travaille avec ce genre de chapeau et je vends des gâteaux, vous savez. Et comme ça, je peux avoir de l'argent. C'est bien payé. Le voyage, les études, c'est pas donné. Donc, comme ça, je travaille beaucoup pendant les fêtes. Vendre les chocolats, les gâteaux, c'est mon truc parce qu'en plus de ça, je peux manger un peu. Donc, c'est cool. Donc, je choisis l'argent et le voyage et les études plutôt que les garçons, plutôt que le copain pour l'instant. Ho, 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 ho. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du Noël japonais. Vous comparez et vous préférez comment? Ou alors, vous pouvez peut-être expliquer qui est le monsieur Noël et son petit garçon et où est la maman? L'histoire de Noël en France ou en Belgique ou en Suisse ou au Canada. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Passez un joyeux Noël. Bye bye, matane!